Bonjour tout le monde! Alors voilà, petite vidéo aujourd'hui de cha-cha pour qu'on revoie ce qu'on a vu la semaine dernière. Je vais vous montrer les pas du garçon et de la danseuse, puis vous pourrez les refaire ensemble. Alors je vais commencer avec le danseur, le pas de base qu'on avait vu sur place. Messieurs, on commençait du pied droit et on faisait un cha-cha, un pas chassé vers la droite. Pas chassé. On faisait ensuite deux marches. Marche. Marche et on repartait vers la gauche. Pas chassé. Marche, marche. Je recommence. 2, 3. Pas chassé. Marche, marche. Pas chassé. Marche, marche. Pas chassé. 2, 3. Cha, cha, cha. 2, 3. Cha, cha, cha. 2, 3. Cha, 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 2, 3. Donc ça, c'était les pas du danseur. Pour la danseuse, on part du pied gauche à gauche. Donc, mesdames, on fait en même temps que moi, on va vers la gauche. Pas, cha, cé, et marche, marche. Vers la droite, marche, marche. Cha, 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 2, 3. Cha, 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 2, 3. Cha, 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 2, 3, pas chassé. Voilà le pas de base sur place que vous pouvez faire ensemble. Le danseur part bien à droite avec son pied droit, la danseuse à gauche. On compte 2, 3 et on part ensemble sur le pas chassé. Ce pas de base, on avait vu qu'il pouvait évoluer. C'est-à-dire au lieu de faire le 2, 3 sur place, on le fait en avant ou en arrière. Messieurs, ça donnait du pied droit, cha, 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 pas le mambo en avant, 2, 3, à gauche, cha, 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 et cette fois-ci vers l'arrière, 2, 3, je recommence, pas chassé, 2, 3, pas chassé, 2, 3, pas chassé, 2, 3, pas chassé. 2, 3. Pour nos danseuses, on part du pied gauche et on fait la même chose mais en reculant d'abord le pied droit. Ça fera pas chassé vers la gauche, je recule mon mambo. 2, 3, je reviens. Tcha, 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 maintenant vers l'avant. 2, 3, et tcha, 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 derrière. 2, 3, tcha, 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 devant. 2, 3, encore, cha, 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 2, 3, pas chassé, 2, 3. Voilà le pas de base évolutif, donc que vous pouvez faire seul ou en couple. Rappelez-vous, messieurs, si vous faites sur place, au niveau du guidage, vous êtes prise 4 mains, vous ne bougez pas quand vous faites vos deux marches. Par contre, si vous voulez faire le pas de base évolutif, on va un peu plus avancer son poids du corps, ce qui va faire pousser la danseuse et elle va reculer. Si vous voulez en arrière, vous allez mettre le poids du corps en arrière, tirer légèrement votre danseuse et ça va la faire venir vers vous. D'accord? Je pousse ou je recule. Première figure qu'on avait vue, c'était les New York. Les New York, c'était une ouverture sur les côtés. Pour le danseur, si je commence un New York à droite, ça faisait cha, cha, cha. C'est mon pied gauche qui avance en New York. New York à gauche, c'est mon pied droit qui avance. C'est comme un pas de mambo, mais en faisant un quart de tour. 2, 3, pas chassé, New York. Pas chassé, New York. Pas chassé, 2, 3. Pas chassé, 2, 3. Toujours le même principe des deux marches. Pour la danseuse, on fait la même chose. Notre premier chassé à gauche, et donc notre premier New York à gauche, sera avec le pied droit. De l'autre côté, si c'est vers la droite, mon New York sera avec le pied gauche. Cha, 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 New York. Cha, 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 New York. Pour voir si on est du bon pied, c'est toujours le pied intérieur qui avance avec le danseur ou la danseuse. Messieurs, pour faire comprendre que c'est un New York à votre
notre danseuse, rappelez-vous, avec notre haut du corps et surtout avec notre épaule, on emmène la rotation d'un côté ou de l'autre. Et du coup, la main va suivre et la danseuse va faire l'ouverture sur le côté. Dernière chose qu'on avait vue, c'était l'alemana. L'alemana qui était le tour sous le bras. Pour le danseur, c'était toujours avec son bras gauche. Ici, il faisait le pas de base. Cha, cha, cha. Il levait le bras gauche pour faire tourner sa danseuse. D'un côté et de l'autre. Et pas chasser, tourner. Pas chasser, tourner. La danseuse, du coup, c'est son bras droit. Et elle va devoir faire des pivots. Cha, 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 pivot. Cha, 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 pivot. Pas chasser. Mesdames, on avait bien dit qu'il fallait revenir sur son pied droit. Ici, 2, 3 sur son pied gauche, 3 en avant. Cha, cha, cha. Et de l'autre côté, c'est le pied droit. 2, 3 en avant. Cha, cha, cha. Pour qu'on ne soit pas en retard, bien en rythme avec son danseur. Je pense que c'est bon, on a fait le tour. Donc, le pas de base sur place. Cha, cha, cha. Le pas de base évolutif. Donc là, je fais les pas de la danseuse. Hein. Évolutif. On a vu les New York avec les rotations en quart de tour. Et enfin, les alemana où on utilise le pivot. Pour le danseur, si je recommence, ça fait 2, 3, le pas de base sur place. Le pas de base évolutif, en avant, en arrière. 2, 3, cha, cha, cha. 2, 3, les New York. Avec l'ouverture, donc sur le côté, on emmène bien sa danseuse. Et les alemana, où vous devez bien lever le bras gauche pour faire comprendre à votre danseuse qu'elle va tourner. Voilà. Je vous mets 2-3 petits liens de musique que vous pouvez retrouver sur YouTube pour accompagner vos entraînements de cha-cha. À bientôt et bon courage !